Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Je vais vous montrer tout simplement comment je fais mes trades au quotidien. Alors, depuis que je fais du trading, j'ai plusieurs sortes de trading. On va dire que en général, soit je fais du trading dans la journée, sur des petits graphiques, par exemple sur du 5 minutes. Donc, on voit qu'ici, je suis sur un graphique de 5 minutes. Ou alors sur du graphique plutôt long terme, c'est-à-dire du H4 ou du daily minimum. Et dans ce cas, ça prendra plusieurs jours à se réaliser. Alors ce que j'aime faire en fait tous les matins, c'est regarder ce qui s'est passé sur le graphique en 5 minutes. Alors je vois qu'ici, on a un W qui est en train de se créer, un double bottom, ou on peut dire aussi un été inversé finalement, peu importe. Et dans tous les cas, je vois qu'on peut très facilement relier les points du haut entre eux et les points du bas entre eux, de cette façon. Et donc ça nous donne un biseau descendant. Voilà, donc ce biseau descendant, je vais tout simplement attendre qu'il casse par le haut ou bien qu'il casse par le bas pour entrer en position. A savoir que s'il casse par le haut, je vais viser une certaine target, donc on va la calculer ensemble tout de suite. Alors je prends la hauteur du canal à l'endroit de cassure, donc comme ceci. Voilà, et je reporte ici. Et si jamais ça casse par le bas, si jamais ici on a un refus, un rejet, c'est la même chose, je prends donc la hauteur à l'endroit de cassure que je reporte, on va dire par ici, voilà. Donc à partir de là, j'ai mon plan de trading tout tracé, étant donné que je vais tout simplement attendre que le prix sorte de ce biseau. Alors pour ceci, je vais mettre une alerte. Donc je vais prendre un trait horizontal sur TradingView, voilà, et je vais mettre une alerte. Je vais dire, bon là c'est déjà réglé de toute façon. Si jamais le prix vient toucher ce niveau, j'aurai une alerte. Donc voilà, je crée l'alerte et je vais faire pareil pour le bas. Si jamais on a un prix qui arrive par ici, je vais surveiller, donc je mets également une alerte. Voilà. Donc c'est bon, les alertes sont bien programmées, il n'y a plus qu'à attendre. Et en attendant, donc pourquoi est-ce que je trade le 5 minutes? Regardez. Ici par exemple, on avait un triangle qui a été cassé par le bas et on a touché sa target. Voilà, ensuite, si on regarde ici, on avait un double bottom, alors je vais enlever ça. On avait un double bottom ici, et on a cassé ce double bottom par le haut. Et voilà, donc regardez maintenant, j'ai un croisement donc sur le 5 minutes. Donc je vais regarder, et on est en train d'essayer de casser. Bon, on n'est toujours pas sorti finalement. Donc je vais attendre la clôture de la bougie. Et en attendant, je prévois sur Binance, bien sûr, d'acheter. Donc je vais acheter au prix du marché. Alors vous voyez là c'est en train de casser, donc on va attendre que la bougie va se clôturer et que ça passe à une autre pour acheter, pour être sûr que c'est confirmé. Donc il nous reste une petite minute, on va patienter une petite minute. Et si c'est cassé, j'entrerai à l'achat. Alors comment est-ce qu'on définit le stop loss parce que je vais acheter par ici au prix du marché et donc il va falloir se protéger si jamais le prix réintègre. Je vais tout simplement mettre mon stop loss en dessous de ce niveau ici, de la Tenkan. Alors maintenant on va calculer le ratio, donc on va sur le côté et on prend position longue. Alors on place ça comme ça et on met en fait cet outil vers le haut là, jusqu'à la flèche. Et ensuite on descend le bas, donc on va dire par ici, voilà. À partir de là, ça sera mon stop loss. Et ce niveau là, c'est le prix d'entrée, donc on va dire que je vais rentrer par ici. Donc bien sûr, tant que le prix n'est pas sorti du biseau, je ne rentre pas parce que c'est pas cassé. Voilà, donc ici j'aurai un ratio de 2,52 environ. Donc j'attends, il me reste encore quelques secondes. Bon alors là, je peux dire que normalement je peux rentrer, étant donné que le nuage maintenant est ici en support et qu'on a aussi la Tenkan. Donc il y a quand même de grandes chances que le prix rebondisse dans tous les cas, ici ou ici. Donc je vais rentrer en position, je vais acheter, donc j'achète tout de suite, donc acheter, voilà, j'achète. Et maintenant, je vais ouvrir en fait sur Binance un ordre OCO. Donc mon ordre OCO parce que je fais du trading en spot. Donc mon ordre OCO, je vais définir donc mon prix à 41 085, on va dire. Voilà, faut toujours prévoir une petite marge, 41 085. Donc ça, c'est mon prix de vente.
Ensuite, mon prix de stop loss, pardon, c'est 40 331, donc 40 331. Est-ce qu'il est bien placé? Bah, j'imagine que oui. Allez, on laisse comme ça. Et donc, mon prix limite, donc c'est moins 1, donc 40 330. Donc c'est bon, je suis rentré dans mon trade, hein. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Est-ce que je vais le perdre? Est-ce que je vais le gagner, hein? C'est un peu risqué étant donné qu'on a cassé, mais vraiment pas beaucoup, hein. Donc voilà, on va voir. En tout cas, j'espère que le nuage va aider à faire support. Et j'espère également que la Tenkan, au pire des cas, aidera à faire support. Dans tous les cas, hein, si on retouche la Tenkan, eh bien, ça viendra invalider le signal de cassure. Et donc, j'aurai perdu mon trade quoi qu'il arrive. Alors, juste une petite aparté hein, pour vous montrer que j'ai bien ouvert mon trade. Alors, vous voyez, hein, j'ai bien ouvert un ordre OCO, hein, donc avec un prix de vente à 41 085 et un prix de stop loss à 40 330. Alors, à savoir hein, que si je remporte ce trade, eh bien, je gagnerai 271 dollars. Et si je le perds, eh bien, je perdrai 101 dollars. Donc, vous voyez que le ratio est bien respecté. Et donc voilà, on va tout simplement attendre hein, de voir si je gagne ce trade ou pas. Bon, je suis toujours dans le trade, mais je voulais vous parler quand même du fait que le graphique en M15 était vraiment très efficace. Alors, on va regarder, hein, on va chercher des patterns avant. Regardez, par exemple, ici, on avait un triangle donc descendant qui a été cassé par le haut. Donc, on voit qu'on avait 3 points de contact minimum en bas hein, et qu'on avait aussi 3 points de contact minimum en haut. Donc, en fait, moi, ce que j'aime faire hein, le matin, eh bien, c'est regarder le graphique et regarder des patterns en fait qui ont duré plusieurs heures, donc entre 6 heures et 12 heures, voilà pour moi c'est la bonne moyenne. Donc comment mesurer le temps? On va hein, sur le côté et on prend la plage de date et on regarde donc le début du pattern jusqu'à la fin du pattern, voilà ça prend 10 heures. Donc pour moi un graphique qui a duré pendant 10 heures, hein, un pattern qui a duré pendant 10 heures, eh bien il a de fortes chances de s'exécuter et de toucher sa target. Donc voilà, là c'est un bon graphique étant donné qu'il dure environ 10 heures. Et donc, si on prend la hauteur du triangle qu'on va reporter à l'endroit de cassure, eh bien vous voyez hein, que la target est bien atteinte. Et d'ailleurs, on a une réaction du prix ici, hein, étant donné qu'on touche la target sur cette bougie verte et on revend tout de suite après. Vous voyez que c'est une zone de take profit. Et finalement, bon, ça rebondit hein, et ça va beaucoup plus haut. Donc voilà, pour quelqu'un qui est rentré sur ce trade-là. Eh bien, à chaque fois, donc, il avait mis son stop loss en dessous de la Tenkan, vous voyez, comme c'est efficace parce qu'on n'est pas retourné en dessous de la Tenkan. Et ensuite, eh bien, on a grimpé, grimpé. Et donc, il suffisait tout simplement hein, de mettre son stop loss en dessous de la Kijun, on va dire, ou de la Tenkan, hein, ça dépend. Donc, ceux qui auraient déplacé le stop loss en dessous de la Tenkan, eh bien, auraient été sortis ici. Donc, ils auraient quand même fait un profit, hein. Et ceux qui auraient mis en dessous de la Kijun, eh bien, auraient continué un très très longtemps, ne seraient pas sortis de leur trade avant ici ce niveau des 39 267. Voilà, donc c'est énorme hein, comme avancée pour un graphique en 5 minutes. Donc vraiment des patterns comme ça, il y en a vraiment tout le temps, hein, tous les jours, il y a des patterns comme ça en 5 minutes. Et en général, ils sont plutôt bien respectés et les targets sont plutôt bien touchés. Hein. Donc voilà, donc maintenant on va retourner à mon trade hein, et on va attendre de toute façon que ça fasse quelque chose. Mais dans tous les cas, eh bien, j'ai espoir hein, que ma Tenkan ici ne soit pas touchée et qu'on aille vers le haut. Alors comme vous le savez, hein, il faut attendre plusieurs minutes ou plusieurs heures avant que la target soit atteinte. Et donc pour ça, eh bien, c'est toujours la même chose, hein, je vais définir tout simplement une alerte au cas où on a touché ma target. Alors voilà, je vais mettre hop, une ligne horizontale. Et je vais faire en fait un clic ici hein, sur ajouter une alerte. Et donc, regardez ce qu'on peut faire. On peut aller dans plus d'actions et définir un son. Alors, moi j'aime bien utiliser des sons pour savoir si j'ai gagné ou perdu de l'argent. Vous voyez, ça c'est un bon son. Hein. Moi j'aime bien ce son pour dire que j'ai gagné de l'argent. Donc je vais faire créer, voilà, et c'est comme au casino. Dès qu'il va y avoir un gain, et eh bien ça va faire ding ding ding. Et si jamais je perds, eh bien je vais mettre un autre son. Donc toujours pareil, hein, dans alerte, ici dans plus d'actions, eh bien on va mettre un autre son. Alors, je mets un bip bip. Voilà, et ça c'est le bruit que ça fait dès que je perds mes trades à chaque fois. Vous voyez, c'est très désagréable, mais voilà, au moins je sais que j'ai perdu. Bon, et eh bien voilà, regardez, c'est pas beau ça. On a enfin atteint ma target.
Et regardez, je suis rentré en position vers 7h55 du matin et on est sorti vers 8h20. Voilà, donc en 20 minutes, hein, 20-25 minutes, eh bien on a touché ma target alors que la structure s'était dessinée pendant une dizaine d'heures. Donc tout ça pour vous dire hein, que les structures en M5 eh bien, sont très intéressantes, très pertinentes et en général, eh bien, les targets sont atteintes sans problème. Il suffit de mettre un stop loss en dessous de la Tenkan, hein, et surtout là c'était une belle configuration étant donné qu'on avait le nuage en support et la Tenkan en support. Donc quoi qu'il arrive, il y avait très peu de chances hein, qu'on revienne sur ces niveaux-là. Donc voilà, et maintenant, eh bien, moi je suis sorti, hein, j'ai touché ma target, voilà, je vais m'arrêter là. Mais pour ceux qui sont assez gourmands, eh bien, plutôt que de sortir ici, vous mettez un stop loss en fait. Vous ne mettez pas de prix de vente, vous mettez seulement un stop loss. Ça veut dire, vous allez mettre le stop loss en dessous de la Tenkan, et dès que le prix va sortir, et dès que vous en aurez l'opportunité, vous allez mettre un stop loss en dessous de la précédente Tenkan. Donc ici, si vous mettez votre stop loss aux alentours des 40 750 pour être sûr que ce n'est pas touché, eh bien normalement, si le prix redescend, il va rebondir sur la Tenkan et repartir peut-être vers le haut. Et donc, peut-être que vous allez profiter d'une grande montée hein, pour aller chercher, je ne sais pas, les 41 500, j'en sais rien. Voilà, c'est aussi une stratégie hein, qui peut se faire. Moi, je préfère juste rentrer dans un trade et sortir dans la zone de take profit, hein, mais ça va dépendre vraiment de votre stratégie. Dans tous les cas, cette stratégie pour moi est gagnante hein, et je gagne très souvent de cette façon. Donc voilà pour cette vidéo, hein. J'espère que ce format eh bien, vous intéresse, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format, si vous voulez d'autres formats de ce style. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée.